Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanskripan. Nous nous retrouvons encore pour notre tome puissant, qui est la suite logique du tome puissant 442. Comme promis, nous sommes de retour. On vous a promis cette vidéo, la suite, où ce tome va nous parler des choses vraiment graves. Vraiment graves, mes frères et sœurs. Quand les gens disent que nous vivons dans un monde satanique, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mes frères et sœurs, nous allons tout comprendre ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer parce que notre vidéo va suivre. C'est une vidéo très longue pour une bonne compréhension. Nous avons séparé cette vidéo en quelque part en partie, partie par partie pour votre compréhension. Si vous avez été touché, cliquez sur j'aime. Et franchement, mes frères et sœurs, vous devez être prêts, vous devez être chaud parce que ce tome ex-sataniste brésilien a beaucoup de choses à nous dire. Et même, il a des choses à nous révéler sur les dessins animés que nos enfants regardent la plupart du temps. Et c'est là, nous allons comprendre que la cible du diable aujourd'hui, ce sont nos enfants. Il veut contrôler le monde tellement que il veut contrôler la progéniture des humains. Ça va être chaud. Écoutons-le. Bien-aimé. Na minha vida não foi diferente. Dans ma vie, c'était pas différent. Eu fui o 14º. Je vous ai dit que j'étais le 14e. Sataniste ligado a Lucifer. Sataniste très lié à Lucifer. Il dit qu'il était le 14e sataniste très lié à Lucifer. Et qui est un sataniste? Un sataniste, c'est une personne qui assiste régulièrement aux réunions du Satan. C'est-à-dire, c'est une personne qui a la possibilité de voir le diable. Tellement il est arrivé à un niveau de sataniste très élevé, il peut même le rencontrer. Donc, tous ceux qui disent que le diable n'existe pas, toutes ces histoires, mes frères et sœurs, il y a des satanistes et des satanistes. Ils sont là. Et voici un ex qui va nous raconter ce qu'il lui-même a pu voir dans ce monde ou encore dans cette dimension. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Si vous êtes touché, cliquez sur j'aime. Et avertissez quelqu'un que vous êtes en train de regarder un truc assez étrange comme ça pour permettre à beaucoup de personnes de parvenir à la connaissance afin d'être libérés sur beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que ce gars-là tient dans la main? Ce gars-là, il tient une carte. C'est un personnage de dessin animé. Mais cette carte qui est dans sa main-là, comment cette carte s'appelle? Le magicien des ténèbres. Ah! Le magicien des ténèbres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faites attention. Écoutez bien son témoignage. Nous allons venir. Un sataniste lié à Lucifer. Un sataniste qui est vraiment lié à Lucifer. Sont les Illuminati. C'est les Illuminati. Sont aqueles. C'est les personnes. Qui participent. De réunions. Aux réunions, planos, aux plans, traçados, aux projets sobre países, qu'on fait sur des pays, cidade, sur des villes. O mais importante, et le plus important, são países, ce sont les pays et, cidade, et les villes sendo aprisionado, qui soient captifs. Os principados, les principautés desta cidade. De ces villes. Eu estava aqui na França, aqui em Paris, j'étais ici à Paris o mês de julho, en juillet. E eu estava na casa do irmão Cassi. Et j'étais chez le diacre Cassi. E ali eu estava no quarto, no apartamento. Et j'étais donc dans la chambre, dans l'appartement. E olhei para o céu. Et je regardais à l'extérieur dans le ciel. Olhando para o céu. Je regardais comme ça vers le ciel. Deus me abriu os olhos espirituais. Et Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. O Senhor me mostra. Le Seigneur me montre. Muito mundo espiritual. Le Seigneur souvent me montre le monde spirituel. Eu vejo demônios. Et je vois des démons. Na vida das pessoas. Dans la vie des gens. Aonde que ele está atuando na vida da pessoa. Je vois comment ils agissent dans la vie des personnes. Isso não acontece como acender de luz. Ça ne se passe pas comme ça. Não. Non. Isto só quando Deus permite. Seulement quand Dieu permet. Quando as coisas aconteçam. Que les choses se passent. Eu estava na casa do. Alors j'étais là dans la maison. Olhando. Je regardais. De repente. Et tout d'un coup. Rosto. Il y a un grand visage. Enorme. Énorme de um palhaço, d'un clown sentado qui était assis na lua, meia lua, sur la lune, com o rosto pintado, avec son visage qui avait du blanc, e aquela visão foi se chegando a mim, et avec une petite larme, et cette vision s'approchait sur moi. Ele falou para mim, et il m'a dit, eu sou Pierrot, je suis Pierrot, o principado sobre Paris, la principauté qui règne sur Paris. Você está entendendo? Vous comprenez? Você compreendeu? Est-ce que vous comprenez? O principado que rege sobre la principauté aqui, qui règne sur Paris. Ele diz, eu sou Il Pierrot. A dit, je m'appelle Pierrot. O principado que age sobre
Paris. La principauté qui gouverne Paris. Aí eu comentando. Alors je commençais à réfléchir. Bon, Jean-Pierre. Et je commençais à parler à Jean-Pierre. Ele falou, não, pastor. Et Jean-Pierre m'a dit, pasteur. Isso é muito sério. C'est très sérieux ce que tu dis. Aqui. C'est très grave. Eles ensinam desde a escola, parce que na infância. Ici, dès l'enfance dans les écoles. Uma música para y a as crianças. Une musique pour les enfants. Entendeu? Sobre o Pierrot. Sur Pierrot. C'est au clair de la lune. Você está entendendo? Esse é o principado que rege sobre aqui. Esse principauté qui règne sur principado. Sur Paris. Ele lança solidão. Cette principauté qui règne sur Paris lance donc donne dans les cœurs la tristesse, la solitude. Depressão. La dépression. Vazio na alma. Le vide dans le cœur. Suicídio. Le suicide. As pessoas se suicidam muito. Les personnes se suicident souvent. Esse principado lança na vida. Et c'est lui qui lance ces choses dans la vie des gens. Ele disse que ele era o principado. Et il m'a dit ça comme ça ouvertement. Que regia sobre esse lugar. Que c'est lui qui gouvernait ce lieu. Você está entendendo? Vous comprenez? A União Europeia. L'Union européenne. A outro principado. A une autre principauté. Muito forte. Très fort. Esse principado. Et cette principauté là. Ele se apresentou para mim. C'est venu est venu également se présenter à moi. Primeira vez. Et la première fois. Que eu estive na Bélgica. Que j'étais en Belgique. À Bruxelas. À Bruxelles. Há 6 anos atrás. Il y a 6 ans. O nome dele. Il est venu et il m'a dit que son nom. Monarca Imperial. Était le monarque impérial. Esse principado. Et cette principauté. Ele age. Agit. Desde a época. Depuis l'époque. De Roma. De Rome. Ele agiu. Il a déjà agi. Agiu. Il continue à agir. Sobre a Alemanha muito fortemente. Au moment où il y avait la deuxième guerre mondiale en Allemagne. Sobre a época de Hitler. Allez, au moment de Hitler, donc à l'époque hoje, de Hitler. Eu, et aujourd'hui. É o principado. C'est la principauté. Que rege. Qui gouverne. A União Europeia. L'Union européenne. Você está entendendo? Wow. Vous comprenez? Wow. O poder como. Comment c'est, como c'est Satanás fort. Tem. Le, comment Satan peut être puissant. Domínio. Domínio sobre as cidades. Comment il peut avoir le contrôle sur les villes? O controle sobre as vilas. Comment il peut contrôler les villes? Então você vê. Alors vous voyez. Na minha vida. Que dans ma vie. Não foi diferente. C'était pas différent. Eu trabalhava com principados. Je travaillais avec les principautés. Eu conheço o principado. Je connais les principautés. Esse principado. Et ces principautés. Me dava poderes. Me donnait des pouvoirs. Ele me erguia esta altura do chão. Et ils avaient cette taille-là. Ele me dava poderes. Et je pouvais monter plutôt. De eu riscar no espelho. Et je pouvais entrer dans les miroirs. Uma porta. Je pouvais passer au travers les portes. Atravessar aquela porta no je espelho. Pouvais passer au travers les portes. Porque o satanista. Parce que le sataniste. Ele sai do corpo. Peut sortir du corps. Chama-se espírito humano. Ça s'appelle l'esprit humain. O espírito humano. L'esprit humain. É o que geralmente. C'est celui qui. O bruxo. O satanista. C'est celui qui en général. Et ele usa. Ele sai est utilisé par le sataniste. Você tá entendendo? Ça veut dire sortir que de son corps. A viagem astral. Ça s'appelle aussi voyage astral. Você muitas vezes. Plusieurs fois. Você está orando. Vous êtes en train de prier. Dentro da sua casa. Dans vos maisons. Ele vai sair. O demônio sai. Le démon part. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus Christ. Mas como sai o espírito humano? Mais comment l'esprit humain part? Como isso vai sair? Comment l'esprit humain part? Ele não se dobra. Il ne peut pas se plier. O il ne peut pas se soumettre. Se dobra. Você está entendendo? Vous comprenez? Isto acontece. Et ce qui se passe. A Jesus Cristo diz o seguinte. Jésus-Christ dit ceci. Esta legião de demônio. Cette légion. Só sai com jejum e oração. Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Jejum e oração. Jeûne et prière. Você já ouviu falar? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Que muitas vezes. Que plusieurs fois. Recém-nascidos. Les nouveau-nés. Dentro das casas. Dans les maisons. Amanhece mortos. Ont une mort subite. Morte súbita. Mort subite. Você já ouviu falar disso? Vous avez déjà entendu parler de la mort subite. A mãe e o pai diz assim. Les parents disent. A criança se sufocou à noite. L'enfant a été étouffé pendant la nuit. Non. Non, je vous dis. Non. Non. De modo algum. C'est pas ça qui s'est passé. Foi sacrifício. L'enfant a été sacrifié. Daquela criança. Elle a été sacrifiée à Moloch. Feito por um satanista. Et ça a été fait par un sataniste. Você tá entendendo? Vous comprenez? Eu não estou falando do crente.
Je ne parle pas du croyant, attention. Je parle de la personne qui ne connaît pas Jésus. Qui não tem Jesus Cristo. La personne qui ne connaît pas Jésus. Você tá entendendo? Vous comprenez? Amados. Bien-aimés. Esse principado. Cette principauté que eu trabalhava com ele, avec laquelle je travaillais, os poderes que ele me dava, il me donnait de ses pouvoirs, ele me concedeu muita riqueza, il m'a donné beaucoup de richesse, muita riqueza, beaucoup de richesse. Eu concedia riqueza para muitas pessoas, et je donnais cette richesse à plusieurs personnes, muito ele me dava, il me donnait énormément, mas me cobrava muito. Mais il me demandait également énormément. Je travaillais avec 7, 8 ou 9 cadavres par jour, meu coração, meu peito, et mon cœur. Era uma pedra. Était une pierre. Era uma pedra. C'était une pierre. Eu não tinha sentimento. Et j'avais pas de sentiment. Algum. J'avais pas de sentiment. Pelo ser humano. Envers un être humain, j'avais pas de sentiment. Você. Vous. Era meu inimigo. Vous étiez mes ennemis. E muito forte. Et très fortement. Você tá entendendo? Vous comprenez? Eu tinha 50 sacerdotes. J'avais 50 personnes. Para me servir naquele lugar. Qui me servaient. Os pactos que eu fazia. Les pactes que je faisais. Os pactos dos folhetons. Les pactes de feuilletons. Os pactos da programação infantil. Les pactes pour les programmes infantiles. Toda a programação infantil. Tous ces programmes pour enfants. Esse principado. Ce sont ces principautés. Me levava a fazer esses pactos. Qui me poussait à faire ces pactes. Você pode ver. Vous pouvez constater. Principalmente a programação infantil. Principalement dans la dans les programmes pour enfants. Como é forte a obra das trevas na programação infantil. Comment il manifeste les œuvres des ténèbres. Se você vê, se você muitas vezes assiste o filme da Disney, desenho si do Disney. Si vous regardez les dessins animés de Disney. A wow. Disney. Dans les dessins animés de Disney. Nós sabemos que é uma das empresas mais satânicas do mundo. Disney est une entreprise la plus sataniste du monde. Você vê, vous allez remarquer. Eu estava vendo esses dias atrás. J'ai remarqué il y a quelques jours. Um desenho na televisão. Qu'il y avait un dessin animé à la télé. A busca de Nemo, daquele peixinho, do peixe poisson. Procura de Nemo. Il y avait Nemo. Né? É o poisson, o peixe. Le poisson Nemo. E aquele desenho. Et dans ce dessin animé. Quando chegou ao final do desenho. À la fin du dessin animé. O que tinha? Ele passou por uma cerimônia. Il est passé par un rite. De bruxaria dentro do aquário. De sorcellerie à l'intérieur de l'aquarium. Satanás começa a trabalhar muito forte esses principados. Satan travaille très fortement. Na vida do seu filho. Dans la vie de vos enfants. Eu falo que a Disney. Donc je vous dis que Disney. Tem 4 prostitutas. Dans Disney, il y a 4 prostituées. Cinderella, Branca de Neve, Cendrillon, Bela Adormecida, Blanche-Neige, et la Belle au Bois Dormant. Et la Belle et la Fera. La Belle et la Bête. São as prostitutas da Disney. Ce sont les prostituées de Disney. Você pode prestar atenção. Et faites bien attention. Uma sai e vai morar com os anões. Remarquez qu'il y a une qui va habiter avec les nains. A Cinderella, o seu gato chama Lucifer. O gato chama Lucifer. Le chat de Cendrillon s'appelle Lucifer. A outra vai morar com aquele homem incorporado da Bela e a Fera, que era demônio. La Belle et la Bête, donc la Belle part vivre avec la Bête. Presta atenção. Qui est un démon. Faites attention, s'il vous plaît. Começa a prestar atenção. Ouvrez les yeux. Esses principados. Ce sont des principautés. Principalmente esse que eu trabalhava. Ce sont des principautés avec lesquelles je travaillais. Eu agia na área da comunicação. J'agissais pour la communication. Você tá entendendo? Vous comprenez? Em toda a área de comunicação. Dans tout le domaine de la communication. Esse principado que eu trabalhava. Il y avait ces principautés et elle travaillait avec moi. Você tá entendendo? Vous comprenez? O preço era muito alto. Mais le prix à payer était trop élevé. A cerimônia da fertilidade. Les cérémonies pour rendre fertile. 20 sacerdotisas. Il y avait 20 personnes. Eram engravidadas. Qui étaient mises enceintes. Chegava do quarto para o quinto mês. Et quand vers le quatrième et cinquième mois. A festa da celebração. La fête commençait. Dentro do satanismo. À l'intérieur du satanisme. Provocava-se o aborto. Provocava-se o aborto. On provoquait donc l'avortement. Esses fetos nasciam. Esses fetos que sortaient eram partidas. Étaient brisés, déchirés, écartelés. Isto é Illuminati. Et ça, c'est des Illuminati. Isso são cerimônias Illuminati. Dentro do satanismo. Et c'est la sorcellerie à l'intérieur du satanisme. Comprenez? As coisas que têm acontecido les à nossa choses volta qui se passent autour de nous é muito forte. Sont très fortes. Você tá entendendo? Vous comprenez? Quando Lucifer. Quand Lucifer não queria cadáveres. Ne voulait pas não, de cadavres. Não queria pessoas, ele queria só cadáveres. Il y a des moments où Lucifer ne voulait pas des personnes, il voulait que les cadavres. Eu tinha um cigano, uma pessoa. Et j'avais une personne que trabalhava para mim dentro de uma funerária. Qui travaillait pour moi à l'intérieur du funéraire. Ele abria as pessoas pelas costas. Du cimetière, il ouvrait les gens dans le dos. Tirava todos os órgãos que eu necessitava. Et il enlevait tout
ce dont il avait besoin, les organes qu'il avait besoin. Tout para toda a cerimônia do satanismo. Pour ces cérémonies au satanisme. Os satanistas, os illuminati. Les satanistes et les illuminati. Só trabalha com sacrifício humano. On ne travaille que avec des sacrifices humains. Os illuminati. Les illuminati. É mundial. Sont à un niveau mondial. As nossas convenções. Nos conventions. Era nível mundial. Était à un niveau mondial. Principalmente na época da Páscoa. Surtout au moment de la Pâque. As igrejas comemoram a Páscoa. Où les églises commencent à fêter la Pâque. Uma pessoa. Une personne. Era crucificada. Était sacrifiée. No lugar de Jesus Cristo. Crucifiée à la place de Jésus. De ponta cabeça. Mais de la tête en bas. Lucifer se fazia presente. Et Lucifer était là présent. Naquele lugar. À cet endroit-là. Tomava forma de um homem. Et il prenait la forme d'un homme. Esta pessoa. Et cette personne. Retalhava toda a carne daquela pessoa. Et on enlevait toute la chair de cette personne. Todos naquele lugar. Et tous ceux qui étaient dans cet endroit. Comiam daquela carne humana. Devaient manger cette chair humaine. Quanto mais sacrifício. Plus au plus de sacrifice, il y a plus de pouvoir sacrifício. Et développer plus de pouvoir, ça veut dire plus de pouvoir. Eu cheguei a 14º. Plus de sacrifice, plus de pouvoir. Cheguei a 14º. J'étais le 14e. Juste à côté de Lucifer. Lucifer me donnait beaucoup de pouvoir. Mas um vazio na minha alma, mais il y avait un grand vide dans mon cœur. Il y avait quelque chose aqui dentro de mim. Qui était là. A minha família se converte a Jesus Cristo. Toute ma famille alors se convertit meu à Jésus-Christ. Pai, minha mãe e meu irmão. Mon père, ma mère et mon frère. Quando a minha família se converte a Jesus. Quand ma famille se convertit à Jésus. Eu sou proibido. On m'interdit. Por eles. Ils m'interdisent. De tomar copo de água na casa dos meus pais. Les satanistes m'interdisent de prendre ne fût-ce qu'un verre d'eau dans la maison de mes parents. Vous comprenez la puissance qu'il y a à l'intérieur de vos maisons. Vous qui croyez, il y a une grande puissance dans vos maisons. Lucas 10, 18. Luc 10, 18. Diz o seguinte. Em Lucas 10, 18 diz o seguinte. Luc 10, 18 dit le suivant. Que o Senhor nos concedeu. Que le Seigneur nous a donné. Poder e autoridade. Le pouvoir et l'autorité. O diabo pode ter poder. C'est vrai que le diable a le pouvoir. Mas você tem poder e autoridade. Mais vous avez le pouvoir et l'autorité. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Você tá entendendo? Vous comprenez? Está sobre a sua vida. Et ça c'est sur vous. Em nome de Jesus Cristo. Ce sont des choses qui sont dans poder vos vies. E autoridade. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir você. Et l'autorité, la puissance et l'autorité. Esse mal tem que sair. Et cette chose doit sortir. A minha família se converte. Jesus. Donc ma famille s'est convertie à Jésus. A minha mãe. Ma mère. Orou por mim. Commençait à prier pour moi. 9 anos. Pendant 9 ans elle priait. Foi 9 anos de oração. Elle a commencé à prier et ça a pris 9 ans. Nunca. Nunca. Et jamais. Nesses 9 anos. Pendant ces 9 années. Se confrontaram comigo. Ils ne se sont opposés à moi. Porque se se confronta comigo. Parce que si ils osaient le faire. Eu já estava afastado da minha família. J'étais de toute façon déjà eu éloigné de ma famille. Mais. J'allais encore m'éloigner. Donc il ne le faisait pas. Vous comprenez? Et c'était que dans la prière. Poder na il y a beaucoup de puissance dans la prière. Poder na il y a une grande oração. Puissance dans la prière. Você vence porque ouais. Poder vous na devez sua le oração. Savoir. Il y a une grande Você puissance dans la igreja? Prière. Você está entendendo? Vous comprenez? Eu era levado em reuniões. On m'a mené à des réunions. No inferno. En enfer. Seol, que a Bíblia diz Seol. Dans Hades. Lugar ali chamava-se Tártaro. Et il y avait un endroit qui s'appelait Tartare. Naquele lugar. Et dans cet endroit. Chamava-se Tártaro. Qui s'appelait Tartare. Ali. Il y avait. Era o lugar de reuniões com Lucifer. Un endroit où on faisait des réunions avec Lucifer. Ali. Et à cet endroit, demônios eram treinados. On formait des démons. Enviado dentro das igrejas. Pour qu'ils soient envoyés à l'intérieur des églises. Demônio da contenda. Les démons demônio de da discórdia. Les démons de dispute. Demônio dos ciúmes. Les démons de jalousie. Demônio da ira. Les démons de haine. Demônio da separação. Les démons de séparation, de amado, division. Da divisão. Esses demônios eram enviados dentro das igrejas. Et ces démons étaient envoyés dans l'église. E presta atenção, amados irmãos. Suivez bien, mes chers. E ele pega. Et ils viennent. E ele pega o crente desatento. Ils viennent pour entrer dans la personne qui est distraite. A brecha, por menor que seja, que você abre. Même si vous ouvrez une toute petite brèche. Já é o suficiente para ele entrar. Suffisant pour qu'il puisse se faufiler. E ele entra na vida do cristão. Et il entre dans la vie du chrétien. E esses demônios eram treinados naquelas reuniões. Et ces démons étaient formés pendant ces réunions-là. Porque já havia uma preocupação parce de Lucifer. Parce qu'il y a une grande inquiétude dans ce milieu. Principalmente no meu país. Surtout au Brésil. O Brasil.
que nós temos 30% da população evangélica. Parce que 30% de la population est croyante, évangéliste. Já vi uma preocupação com isso. Donc ils s'inquiètent pour ça. O crescimento das igrejas. Ils s'inquiètent avec la croissance de l'église. Esse demônio era enviado. Et tous ces démons sont formés pour être envoyés dans les églises. Para lançar contenda, discórdia, pour lancer des querelles, des disputes, de la jalousie. Vous comprenez? Como as coisas acontecem? Donc c'est comme ça que les choses arrivent. Dans le monde spirituel. Você está vivendo? Ce que vous vivez? Um grande conflito na sua vida. C'est un grand combat. Nós estamos num grande combate. Nous sommes dans un grand combat. Num grande conflito. Dans un grand conflit. Você está entendendo? Vous comprenez? A partir do momento. À partir du moment. Que você nasceu. Où vous venez au monde. Você já está nesse combate. Vous rentrez dans ce combat. Você já está nesse conflito. Vous rentrez déjà dans ce conflit. E você tem que tomar uma posição. Et vous devez prendre une position. Ou com Jesus Cristo. Soit avec Jésus. Ou com Lucifer. Soit avec Lucifer. Você está entendendo? On peut pas rester au Não milieu. Tem como você ficar neutro vous nesse pouvez combate. Pas rester neutre. No mundo de modo algum. Il y a pas de o façon mundo, pour que vous restiez neutre. Vous ne pouvez pas rester neutre dans ce combat. Ha! Parce qu'il n'y a pas de façon pour que vous restiez neutre. C'est impossible. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Soit tu es un sataniste, soit tu ne l'es pas. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens directement au diable. Il n'y a pas de butin nul. Mais frère et soeur, c'est ça. Si vous pensez que c'est de la blague, ce n'est pas de la blague. Nous allons te poser une question là maintenant, nous allons te poser une question. Nous allons te poser une question. Non, toi mon frère qui regarde, toi ma soeur qui regarde, je te pose une question. Qui est ton Dieu? Dis-moi le nom de ton Dieu en dessous de cette vidéo. Je t'attends. Dans le monde spirituel. C'est réel. Le monde spirituel est bien réel. Et c'est un milieu où il travaille 24 heures sur 24. Você tá entendendo? Vous comprenez? É real, o mundo espiritual. C'est un milieu qui est vraiment réel. Não pense assim. Ne pensez pas. Eu não mexo com o diabo não mexe comigo. Je ne touche pas au diable, il ne touchera pas à ma vie. As pessoas pensam desse jeito. Les gens pensent comme ça. Eu não mexo com ele, ele também não vai mexer comigo. Je ne lui fais rien, il ne me fera rien. Não, amado. C'est pas comme ça que você ça se passe. Você está num confronto. Vous êtes obligé de combattre. Vous êtes obligé de você combattre. Tá entendendo? Você tomou uma posição com Jesus devez, Cristo. Vous avez choisi Jésus. Você tomou essa alors posição. Alors vous devez prendre position. Amados, bien-aimés. Uma noite. Il y a un soir. Na cidade de São Paulo. À São Paulo. Eu sofro um sequestro. On m'enlève. São Paulo. À São Paulo. Ela tem 16 milhões de habitantes. São Paulo a 16 milhões d'habitants. Só a cidade de São Paulo. Que dans cette ville. Você tá entendendo? Vous comprenez? Só a cidade de São Paulo. Que dans São Paulo, 16 millions d'habitants. 16 milhões de habitantes. 16 millions d'habitants. Eu naquele lugar ali. Et dans cet endroit. Eu sofro um sequestro. On vient m'enlever. Por quê? Pourquoi? Eu era um empresário. Parce que j'étais un homme d'affaires. Muito forte. Très puissant. Muito forte. Très puissant. Eu tinha 1000 funcionários trabalhando para mim. J'avais 1000 personnes qui travaillaient eu pour moi. Eu administrava 8 empresas. Et je devais gérer 8 entreprises. Eu sofro sequestro. Alors on vient m'enlever. Sou levado a cativeiro. On m'amène à un endroit. Naquele cativeiro. Et dans une prison. Et dans cette prison. Eu começo a invocar. Je commence à prier. Todos os demônios. Et je commence à invoquer tous ces démons. Que eu me lembrava o nome. Dont je me souvenais les noms. Mas nada acontecia naquele lugar. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Eu começo a invocar. Je commence à appeler tous les démons. Todos os santos da igreja católica. Tous les saints de l'église catholique. Eu começo a invocar naquele je lugar. Je commence à invoquer. Nada começa a acontecer naquele lugar. Il n'y a rien qui se passait. Nada começa a mudar naquele lugar. Il n'y a rien qui se passait. Mas algo no mundo espiritual acontecia. Mais apparemment dans le monde spirituel il y avait quelque chose qui se passait. Ma famille tinha sido despertada a orar. Avait été poussé à prier. E eles começaram et orar ils sont levés, ils ont commencé à prier. Eles não sabiam que estava ils ne savaient pas ce comigo. Qui se passait avec moi. Quando você ora, quand vous priez, você muitas vezes está orando por uma pessoa, plusieurs fois vous priez pour une personne. Você fala assim, et vous dites, eu não estou vendo nada acontecer na je vida desta rien pessoa. Dans la vie de la personne. Je ne vois rien qui se passe. Eu não estou vendo nada acontecer. Je ne vois rien, Seigneur. Pelos seus olhos físicos. Peut-être pas. Você não está contemplando. Vous ne voyez rien physiquement. Mas no mundo espiritual, mais dans le monde spirituel, algo está acontecendo. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Você está entendendo? Ouais. Quando você ora,
Quand vous priez, aqueles demônios que estão na vida daquela pessoa, les démons qui sont dans la vie de eles começam a ser enfraquecidos. Commencent à être affaiblis. Ils commencent à s'enfraquecer. Ils commencent à s'affaiblir. Si você deixa de orar, si vous laissez de prier, começa a se fortalecer. Si vous arrêtez de prier, ils reprennent les forces. Minha família estava orando por mim. Et ma famille priait pour a moi. A minha mãe direto ma na igreja. Mère, ela pegava minhas fotos. Prenait carrément mes photos. Na igreja, ela arrivait à l'église et elle disait au pasteur. Tinha pastores convidados na igreja. O pastor que était invité dans les dans ora l'église. Ora pelo meu filho. Priez pour mon fils. Meu filho é um satanista. Mon fils est un sataniste. Eu era conhecido no Brasil como o 14º satanista. On me connaissait dans tout le Brésil comme le 14e. Na América Latina. Dans le Brésil et dans l'Amérique latine. Vous comprenez? Ora pelo meu filho. Alors elle disait priez pour mon fils. Meu filho é um satanista. Mon fils est un sataniste. Vous comprenez? E ali foi a batalha de oração. Et c'est comme ça que la prière, naquele cativeiro, le combat dans la prière a commencé. Naquele cativeiro, j'étais dans cet endroit-là. Eu chamo todos os demônios. Et je commençais à invoquer tous ces démons-là. Nada acontecia. Il n'y a rien qui se passe. Aquele demônio, tous ces démons que me dava poderes, qui me donnaient la puissance. Nada acontecia naquele lugar. Il n'y avait rien qui se passait, personne venait. Nada mudava minha história rien naquele ne changeait lugar. Ma situation. Nada mudava rien minha ne changeait ma situation lugar. Dans cet endroit-là. Você tá entendendo? Vous comprenez? Chamo santos da igreja católica. J'ai commencé à invoquer donc les saints aqueles de l'église catholique. Ce dont je me rappelais les noms. Amado. Bien-aimé. A igreja católica. Dans l'église catholique. Era o que mais me ajudava. L'église catholique était l'église qui m'aidait le plus. Em cerimônias. Dans tout ce qui était les cérémonies de sacrifício. De sacrifício. Como isso acontecia? Comment cela se passait? Se uma pessoa, si une personne tinha que falecer, devait mourir, pegava-se os sacerdotes que me serviam. Les gens qui me servaient. Pegava o nome daquela pessoa. Prenait le nom de la personne. Levava na igreja católica. Les amenait à l'église catholique. Pagava para o padre. Et il payait le prêtre. Rezar uma missa de sétimo dia. Il demandait au prêtre de prier. Mas a pessoa estava viva. Mais la personne était vivante. Ela não tinha morrido. Elle n'était pas encore morte. Você tá entendendo? Vous comprenez? O padre rezava aquela missa. Et le padre. Porque ali você pagando. Et le prêtre priait sur ça. Eles fazem tudo naquele lugar. Parce que si vous payez, tout le monde fait tout. Você tá entendendo? Vous comprenez? Ele rezava. Alors il priait. Trazia-se para mim. On me ramenait cette feuille. Fazia-se as cerimônias que tinha que praticar. On faisait les cérémonies qu'on devait faire. Sete dias depois. Et 7 jours après. Esta pessoa tinha falecido. La personne mourait. Você tá entendendo? Vous comprenez? Por onde começava? Comment ça commençait? Dentro da igreja católica. Dans les églises catholiques. A igreja católica. L'église catholique. Maioria das pessoas. Dans les églises catholiques, la plupart des gens. Tem o hábito. Ont l'habitude. Quando ele entra dentro da igreja católica. Quand ils entrent dans les églises. Ele passa a mão naquela água benta. Ils prennent l'eau bénie. Aquela água que tem na entrada. Donc l'eau qui est juste à l'entrée. E põe na testa. Et ils mettent sur leur front. No que ele colocou aquilo na testa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous mettez ça sur vos fronts. Há uma reza naquela água. L'eau qui avait été bénie. No que ele colocou na testa. Ce que vous mettez sur le front donc. Bloqueia cette eau bénite. Sua mente. Bloque vos pensées. Você tá entendendo? Vous comprenez? Quanto mais água. Plus vous mettez d'eau. Se põe na testa. Sur vos fronts. Mais bloqueia-se a mente. Plus vous êtes bloqué. Mais se vai bloqueando. Plus vous allez être bloqué. Você tá entendendo? Vous comprenez? Por isso hoje. Voilà pourquoi aujourd'hui. Quando você fala a um católico. Quand vous parlez à un catholique. Muitas vezes é difícil ele tomar posição com Jesus. Souvent c'est difficile qu'il donne comme ça. Há um bloqueio na sua mente. Qu'il donne sa vie à Jésus entièrement. Através daquela água. À cause de cette eau que é colocada na entrada da igreja católica. Juste à l'entrée de l'église. Você tá entendendo? Vous comprenez? Como eles vão bloqueando? Comment est-ce qu'ils agissent pessoas, pour bloquer les pensées des gens lugar, dans cet endroit? As cerimônias. Alors, il y a des cérémonies. Começava-se ali. Qui se passe et ça commence donc à l'église catholique. Eu falo catholique. Que a igreja católica apostólica romana. Je vous parle de l'église catholique apostolique romaine. É uma igreja incompleta. C'est une église qui n'est pas encore complète. Nunca está completa. Elle n'est jamais remplie. E sempre eles estão fazendo santo. Et ils sont toujours en train de donner de nouveaux saints, de donner des noms à des nouveaux saints. E faz santo para isto. On fait un saint pour ça. E vai criando mais santo. Un saint pour ça. E vai criando mais santo. Pour autre chose. Se você pegar. Et si vous voyez bien. O calendário católico. Vous prenez bien le calendrier catholique. O calendário católico. Sur le calendrier. Num dia só.
Donc, sur une journée, tem três santos num dia só. Il y a trois saints qui sont fêtés. Chegou um ponto. Il y a même, c'est arrivé à un niveau. Eles não têm mais onde colocar santo. Où ils savent même plus où mettre les saints. Aí que eles fizeram dia 1º de novembro. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Fizeram um pacote. Le 1er novembre. O dia de todos os santos. Ils ont tout rassemblé, ils ont fait tout saint. Você tá entendendo? É isso que acontece. Você entendeu? Vous comprenez? Amado. Bien-aimé. Nós sabemos. Nous savons. Que o dia 25 de dezembro. Que le 25 décembre. Não é o dia do nascimento de Jesus. N'est pas le jour de la naissance de Jésus. Isto foi colocado. Ça a été fait. Pela Igreja Católica. Par l'Église catholique. No calendário católico. Dans le calendrier. Isto foi colocado. Ça a été placé. Porque... Oh! C'était placé, quelle révélation! Que va-t-il se passer par la suite? Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas voulu cliquer, s'abonner maintenant, cliquer sur la cloche pour l'activer parce que ça va être chaud dans la prochaine vidéo. Il poursuivra son témoignage, c'est pas terminé. Nyan Sribon vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en cliquant sur Nyan Sribon, vous pouvez avoir accès à notre page d'accueil. Abonnez-vous sur nos autres chaînes si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir. Et ne manquez pas d'activer la cloche. Et c'est extraordinaire. Cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage afin que d'autres personnes puissent voir ce témoignage en même temps que vous. Qu'est-ce que vous allez plus toucher à ce témoignage? Réagissez dans la partie commentaire, ça nous intéresse aussi. Mais franchement, je suis étonné. Nous devons prier et prier aussi pour nos enfants. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo, préparez-vous là maintenant. Let's go.